un autre coup de tonnerre dans le firmament de Québec solidaire aujourd'hui. Vous avez vu ce matin cette lettre ouverte transmise à la presse par une quarantaine de signataires, une lettre initiée par l'ancienne députée Catherine Dorion, là, qui, c'est pas un secret, qui n'aime pas du tout Gabriel Nadeau-Dubois. Bon, allons voir un peu là, ce qui est écrit là-dedans. Où nous mènera ce choix craintif de se tenir dans les limites du pragmatisme dicté par les élites médiatiques et économiques? Notre ambition est beaucoup plus grande que ça. Bien sûr que nous voulons prendre le pouvoir, mais ce n'est pas pour l'occuper tranquillement en y passant les quelques projets de loi que les élites dominantes voudront bien laisser passer. Et ça continue comme ça, là, un petit extrait encore. Si QS poursuit sa standardisation et continue à concentrer le pouvoir à sa tête, l'image de ce système de domination qu'il avait été créé pour combattre, il faudra le considérer comme un éteignoir plutôt qu'un catalyseur d'espoir. Je ne me trompe pas, Gaétan, ça continue de plus belle. Là. C'est une fronde, là, carrément, ah, là, est ouverte et assumée. Là. Total, c'est une fronde. Total, là, on est rendu là, à la racine, au fondement, au principe fondateur de Québec solidaire, l'extrême-gauche. Parce que la lettre, quand on la lit au complet, là, puis l'extrait que tu as montré est assez parlant, là, c'est vraiment la révolution, là, l'anticapitalisme, changer la société. Elle le dit un peu plus loin dans sa lettre, il faut repartir à zéro et reconstruire la société par la politique. En construisant un mouvement du peuple qui va être représenté par Québec solidaire. Alors, s'il y a encore des gens qui doutent qu'à Québec solidaire, il y a une extrême gauche radicale, bien là, le doute, là, il vient d'être dissipé. Maintenant, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il joue le tout pour le tout. Alors, lui, dans son texte, dans sa déclaration de Saguenay qui s'en vient, il efface ces propos-là du passé, ouais, dans le nouveau programme. Il les efface, il les réécrit, et oui, il devient un parti standard. Maintenant, est-ce que ces gens vont le suivre? C'est ce que l'on va voir. Moi, ce qui m'étonne à date, là, c'est que tous les élus de Québec solidaire, il n'y en a pas un qui s'est... Pas de fausse note au caucus, là. Hein? Pas de fausse note au caucus. Donc, tout le monde est, ouais, derrière Gabriel Nadeau-Dubois, ce qui me laisse penser qu'à la fin, à Saguenay, le 25 mai, Gabriel Nadeau-Dubois va gagner et il va y avoir une scission. Il va, Joël, y avoir une scission. Joël, t'en penses quoi, toi? Bien, moi, je trouve qu'on a affaire justement à l'affrontement deux visions complètement différentes du parti. Là, d'un côté, on a Gabriel Nadeau-Dubois qui veut gagner en sondage. En fait, le problème, nerf de la guerre, c'est que ça ne lève pas chez QS en ce moment. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois dit on devrait travailler sur le parti, revoir le programme, le ramener un petit peu plus au centre parce que si on veut, et un jour, pouvoir être élu. Il ne dit pas comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'il veut dire. Il faut avoir une plus grande base électorale, dont être au centre. Et comme Gaétan le dit, bien, il y a les purs et durs, les gens plus très, très à gauche, qui rêve encore, il rêve qu'un mouvement populaire qui renverserait le mouvement capitaliste pourrait prendre le pouvoir au Québec puis de détruire complètement le capitalisme au Québec. C'est quoi? On va devenir Cuba et un pays communiste alors que la terre entière est une société capitaliste. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer la société ou qu'il ne faut pas faire des changements dans la société. C'est juste que c'est vraiment extrême. Mm-hmm. Quand on lit la lettre, c'est très déconnecté de la réalité. Réaction de Manon Massé aujourd'hui à Québec. Écoutons-la. On va se retrouver ensemble et là, la démocratie va prendre des décisions. Et ce moment-là, il a toujours été clé dans nos structures. Et pour moi, ben, ça laisse beaucoup de place à faire que nos membres puissent décider de l'enlignement. Et un coup qu'on aura enligné, ben là, il y a des gens qui vont avoir à se poser des questions. C'est intéressant, là, Elsie. Là. On est au cœur de la question. Là. Oui. Est-ce que les Catherine Dorion et autres, là, ils sont une quarantaine. Solidaire compte à peu près 22 000 membres là, en ce moment. Il y en a 40 qui ont signé cette lettre-là. Mais la question, Elsie, est-ce qu'ils vont se ranger, tu penses? Je ne sais pas s'ils vont se ranger, mais l'intervention de Manon Massé aujourd'hui, mais dans les jours et jusqu'à ce Conseil national là, sur la déclaration de Saguenay, elle est fondamentale parce que Manon Massé parle le langage de ce groupe plus radical de gauche, mais
a compris comment fonctionnent les institutions et l'Assemblée nationale et qu'on doit fonctionner. Ouais. Donc, elle, elle est vraiment au centre et j'ai le sentiment, puis elle a appuyé d'ailleurs Gabriel Nadeau-Dubois, ouais. Donc j'ai le sentiment qu'elle va prendre cette posture-là de la gauche pragmatique en essayant d'amener le plus avec elle, mais à un moment donné, effectivement, je pense qu'il y en a certains mais, qui vont... Mais quand elle dit ça, là, il y a des gens qui ont... Rangez-vous, en quelque sorte, sinon il y a des gens qui auront des questions. Je peux pas te mettre compte d'en nommasser, là. Non, mais ça... Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont partir, là. Bien, il faut que ça en aille. Regarde, Paul, là, c'est pas comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est comment fonctionne la société. Ce groupe-là, là, de Catherine Dorion, nuit à son parti parce que combien de gens au Québec se disent « Je voterai jamais pour Québec solidaire parce que ce sont des gens d'extrême-gauche. » Elle en fait la démonstration. Il faut qu'ils s'en aillent. Parce qu'actuellement, là, ce que Gabriel Nadeau-Dubois voit et ses collègues à l'Assemblée voient, c'est que si on n'est pas suffisamment au centre, on n'est pas élu. Et dans la joute politique où la personne, le chef, a tellement son image de poids, son compétiteur centre-gauche s'appelle PSPP. Alors là, on tombe dans la compétition des personnalités. Les libéraux n'en ont pas de personnalité actuellement et ça les dessert. Alors, ils doivent aller au centre avec la bonne personne. C'est ça qu'il va présenter à ses membres. Manon Massé a raison. La démocratie politique de ce parti-là va s'exprimer. Et qu'elle s'exprime. Mais s'ils gardent leur extrême-gauche ou si l'extrême-gauche reste pour faire du trouble, entre guillemets, là, sont finis. Mais c'est ça, parce qu'ils peuvent être à gauche sans l'extrême-gauche. Parce que là, dans ce qu'on lit, dans, tu sais, je veux dire, c'est l'extrême-gauche radicale, comme elle dit, Gaëtan. Juste dans le choix des mots, là. Ah, c'est ça. Et Joël... Est-ce qu'ils vont rester, tu penses? Parce que, est-ce qu'ils vont continuer à embêter? Parce qu'ils ont le droit, ils sont des militants de Solidaires. Ils sont militants convaincus. Je suis convaincue qu'ils vont être de plus en plus vocales avec, à l'extérieur du parti, donc dans les médias, comme ils font, comme Catherine Dorion le fait. Là, si on la suit, si on regarde, ce message-là va continuer. Mais je pense que Gabriel Nadeau-Dubois doit continuer. C'est son leadership qui est en jeu actuellement. Et c'est vraiment la seule personne là, qui peut aider à recentrer ce parti-là. C'est quand même paradoxal, vous ne trouvez pas, que Mme Dorion qui dénonce souvent le complexe politique politico-médiatique, c'était à la presse qu'elle a envoyé sa lettre ouverte quand même. Bien, c'est pas... Il y a des différences. Elle condamne ce complexe-là, mais elle se sert des médias pour passer son message et attaquer son ancien collègue. C'est assez amusant, effectivement. Puis, tu sais, c'est comme le livre qu'elle a publié. Elle l'avait publié quelques jours avant le congrès où tous les membres venaient débattre de manière démocratique. Et donc, elle avait fait quand même une petite jambette à ce moment-là aussi. Mais bon, quand on fait la révolution, il y a plusieurs moyens pour... Peut-être qu'on va avoir un nouveau parti émerger. On ne le sait pas, là, je spécule comme ça, mais ça se pourrait, là. Mais en 10 secondes chacun, on comprend que le Conseil national de Jonquière est déterminant, mais est-ce que ça va se régler là ou ça va continuer bien après encore? Gaëtan, rapidement, Ça va se régler là pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais ça va continuer dans la coulisse comme pendant des années le PQ a eu son SPQ libre et compagnie. Tant que les sondages n'ont pas bougé. Là. Ça, c'est un symptôme d'un parti qui est stagnant. Donc, on ne sait pas par où aller. Tout le monde pense qu'il y a la meilleure idée. Donc, on sort dans les médias puis on fait plus de mal. Joël? Bien, si ça ne se règle pas, les sondages vont juste diminuer parce que ça va nuire à la crédibilité du parti, là, simplement. Là, ça va diminuer. Ils vont dire, ah, ben là, c'est de la faute de Gabriel. Il faut qu'il parte. Donc, ça finit jamais. Pas facile, hein?